Je suis cordonnier bottier de formation. Voilà, c'est la réalisation, en ce moment c'est surtout la réparation de chaussures qui nous occupe, où on a beaucoup de travaux très spéciaux à faire. En fait, on éduque le public par rapport aux travaux que l'on réalise, parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut demander à un cordonnier? Quel est l'éventail des travaux qu'on peut réaliser? Et quand on leur explique tout ce qu'on peut faire, bon, ben ça les intéresse énormément, quoi. Alors, on a de plus en plus de travail, quoi qu'on puisse penser. Pourquoi? Parce que en période de crise, notre métier s'en est toujours bien sorti. Et on considère, enfin les clients considèrent qu'on achète un tout petit peu mieux, de manière à pouvoir faire durer plus longtemps. Et de tout temps, hein, les périodes de crise ont été profitables. Évidemment, on parle automatiquement d'apprentissage. Y a des formations pour ça ? En Moselle, on est un peu un département pilote en France pour la formation des apprentis. Je suis moi-même formateur au niveau de la Chambre des métiers de la Moselle, puisque je m'occupe des apprentis. Actuellement, nous avons 7 apprentis en Moselle qui apprennent soit le métier de cordonnier réparateur ou cordonnier bottier. Oui, on a un avenir. Je vais vous faire sourire, mais il y avait un panneau qui nous disait toujours « tant qu'il y aura des terriens, il y aura des cordonniers ». C'est un métier qui a de la demande aujourd'hui pour les jeunes, et les jeunes qui sortent de chez vous trouvent facilement du travail. Oui, tout à fait. S'il est formé convenablement, contrairement à certaines boutiques où ils ont des formations très accélérées ou qui sont très limitées, nous on offre une panoplie complète des travaux à réaliser, et quand on est bien formé, on n'a pas de soucis à se faire pour son avenir. Alors comment devient-on cordonnier justement ? On a deux possibilités. Ou on passe par une société commerciale qui vous vend le matériel et vous colle un stage de 8 jours et vous devenez cordonnier. Vous portez le même nom que moi. Ou vous passez par l'apprentissage, minimum 2 ans, voire 3 ou 4 en fonction des spécialités qu'on peut prendre. Alors votre cheminement à vous, vous êtes né dedans tout petit ? Moi je suis tombé dedans petit parce que mon papa l'était. Mon fils l'est maintenant. Oui, j'ai commencé moi à l'âge de 13 ans et demi. Il y avait une possibilité à l'époque, dans les années 60. Et oui, ça fait 45 ans, 46 ans que je travaille dans ce métier-là. Donc, ouais. Toujours autant de plaisir. Ah, toujours autant. La preuve, c'est qu'on joue les prolongations pour le bien de la corporation. Donc voilà. Et il y a des pointures en Moselle ? Oui, il y a quelques éléments qui sont de grande valeur. J'ai même persuadé un de mes collègues de passer le concours meilleur ouvrier de France, et il a échoué au dernier concours, mais je pense que cette année il sera beaucoup mieux préparé, et ça va le faire.